N'aie pas peur de mordre les yeux. Mordre si vous ne me lâchez pas. Les étoiles au plafond. La constellation protège le trésor. Brise l'enchantement pour atteindre le bouclier. Utilise l'étoile guide pour tracer l'image sur le miroir. Mes parents. La crosse et le fléau. Mon père a mené l'Égypte tel un berger ses ouailles, avec force et grâce. Une plateforme. Au moins on progresse. Attention au chemin que tu traces. Tu ne peux pas repasser sur une ligne déjà dessinée. La couronne de mon père, le symbole de son incarnation de Maat en Égypte. Seth ne pourrait pas la porter. Je me fiche de ce que porte Seth. Je cherche Sekhmet.
toi. Ont-ils vraiment pensé qu'un voleur reculerait devant son propre reflet? Pas après ce qu'il m'a fallu affronter pour arriver ici. Il n'est pas là pour te dissuader, mais pour t'aider à trouver le trésor. Un miroir, un portail. Une merveille à l'abandon dans une tombe vide. Je ne trouve pas de bouclier. J'en ferai un avec de la peau de bœuf. Vide. Qu'attendais-je donc? Un dieu qui aurait laissé un corps de mortel? Je ne reçois pas assez d'attention. Peau de bœuf ne lui ferait pas justice. Et tu n'as encore rien vu. Comme mon père, je t'offrirai le meilleur des professeurs. Conçu pour accompagner ton épée. Tard, je me rêvais guerrier. Mais le bouclier n'a su protéger mon cœur de Bastet, mon ami. Je n'aurai pas ce problème. Je le prendrai tel quel. Alors prends-le, mortel. Fais-moi deviner. Ils veulent qu'on leur rende le bouclier. Oh, va-t'en. Je pense que vous l'avez sur tous les sommets. Mon lien est rompu. Utilise le bouclier, je le permets. Oh, pour que je le frappe. Je dévie ses attaques, ça va la tuer. Finalement, c'est un bon combat.
vous y habituez pas. Ce sceau devrait tenir Anubis à distance pour l'instant. Rapporte le bouclier à Ptah aussi vite que possible. Je vois certes moins de choses qu'autrefois, mais suffisamment. Et je vois maintenant que je peux suivre les traces de mon père. Transmettre ce qu'il m'a enseigné, ce que j'ai appris. Cette fois, je ne combattrai pas seul. Grande divinité. Imhotep, bienvenue. Tu voulais me parler? Je m'inquiète au sujet de ce qui nous a été révélé dans le temple d'Osiris. Va en paix et reviens-nous. Donne-moi ton épée. Elle m'appartenait autrefois. Tu as le bouclier de Manu. Garde-le. J'ai forgé le bouclier ainsi que l'épée pour attaquer Sekhmet. Toi, au moins, tu auras la volonté de les utiliser. J'avais tort. C'est toi, mon héritage, ainsi qu'Horus, qui a perdu sa mère et son père, et tous ceux qui ont le pouvoir d'utiliser mes œuvres quand ça m'est impossible. Rends-toi dans l'abîme rouge et utilise cette épée et ce fouet, qui forment ensemble l'arête de Bakou, pour le traverser. Cela devrait marcher. Le temple impénétrable de Tefnut contient un morceau du disque solaire. Et si tu escalades les parois arrière, près de la vallée des eaux, une pause dans mon travail sera bienvenue.
lorsque je me suis abandonné à ma souffrance. J'ai fabriqué des statues de mon amour, ma Bastet, indigne de sa personne. Détruis-les toutes. Libère-moi de leurs souvenirs. Une pause dans mon travail sera bienvenue. Une pause dans mon travail sera bienvenue. N'hésite pas à revenir. Équipe ton groupe de mes plus belles créations. Ma forge attend. Bien ça.
Oui. Oh. Vraiment? En avant.